Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est le 101e anniversaire de la commémoration de l'armistice qui mettait enfin un terme à une guerre terrible qui avait fait des millions de morts, des estropiés et qui avait meurtri notamment toute une jeunesse. La guerre, c'est une barbarie, une connerie, disait Jacques Prévert. Et si elles sont le fruit de la cupidité des hommes, d'un système économique où c'est la concurrence qui doit primer en permanence, si c'est aussi le fruit parfois des replis identitaires, communautaires, elles n'ont jamais rien réglé. Et aujourd'hui, on le voit encore plus dans cette situation où on est confronté mondialement à une pandémie. Ce dont nous avons besoin, c'est de coopérer, d'échanger pour se sauver tous et toutes ensemble. Et c'est aussi, bien évidemment, consacrer des moyens, non pas au surarmement, mais pour la paix, pour la recherche, pour les sciences, pour faire progresser notre humanité. C'est ce message qu'au fond, les combattants ont porté à la sortie de cette guerre en disant « il faut que ça soit la der des der ». Ne baissons pas les bras, continuons à nous mobiliser pour faire vivre non pas la guerre, mais la paix, la solidarité, la fraternité entre les hommes et les femmes. C'est ce message que nous voulons porter quand nous avons été signataires du traité international pour l'abolition des armes nucléaires, un traité qui d'ailleurs vient d'être ratifié par plus de 50 États, qui lui donne donc force de loi. Et il faut maintenant que la France rentre là-dedans pour infléchir ses choix structurels. C'est aussi ce message que nous voulons porter avec l'UNAOC, et cette ville-monde que nous voulons construire, parce que si nous ne construisons pas de l'en commun dans une ville qui compte plus de sa nationalité, ça sera la violence, la guerre. Et donc, c'est ces valeurs-là que nous voulons porter. Et dans ce jour anniversaire, puisons-y encore plus de détermination pour faire en sorte que la paix, la solidarité et la fraternité, ça soit cela qui nous rassemble. Je vous remercie.